Coucou YouTube! Nouvelle VOD sur Cyberpunk, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode. Donc on va aller rejoindre Takemura. Et puis bah c'est parti! Like, abonne-toi, partage, ça fait plaisir. C'est par où? C'est par là. Par contre, je sais plus jouer. Hein. Ça y est, hein, je suis un peu. Je suis rouillé rouillé. Hein. Je suis rouillé sur Cyberpunk. Ah. En plus, j'ai un bonus d'XP. Regardez, à côté de ma barre de vie. Bah écoutez. Crash d'une Navy de Kaung Tao près de Night City. Ah, c'est nous ça? Non, c'est pas nous. Nice, nice, nice. Bon, allons voir Takemura. Mais sachant que moi, souvenez-vous. Je suis pas hyper fan. Hein. Bon, alors, comment j'appelle mon. Ah oui. Ah, là-bas, ma moto. Ok, let's go. Ok. Ça passe, c'est pas moi. Youh! Bon, c'est bon, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Cyberpunk. À Japantown. Ah, on m'a envoyé un message. Bon, je regarderai ça après. Nouvelle mission, Kusanagi, c'était. Ah, encore une voiture. Ça va le son? Pas trop fort? N'hésitez pas à me dire. Ich! C'est bon, tout va bien dans Cyberpunk. Rien ne se casse. Ah, c'est par où? Attends. C'est au-dessus qu'il est? Ah, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. Le son c'est bon, parfait. On va rester comme ça. Ah, oh, ça c'est beau là. Je me demande si je peux prendre un. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen, à votre avis, que j'enlève l'interface? J'aimerais savoir ça, juste par question, pour faire une des photos. Interface. Indicateur. Ah, mais je suis pas obligé de tout mettre, regardez. Nom des PNJ. D'accord, ah ouais, je peux vraiment enlever plein de trucs. Mode daltonien, affichage des dégâts, les deux. Raccourci, clavier sauté. C'est inventaire, interaction rapide. Moi, j'aimerais bien savoir si c'est un mode photo, en fait. Interface suivant, détail de piratage déplacé à droite, à gauche. Interaction principale, c'est F, dans sensoriel. Ok, non, je sais pas. Parce que du coup, je. Prendre des photos comme ça, faudrait. Ouais, ça serait pas mal de faire des photos là, comme ça. Y a pas un mode photo? M'étonne qu'il n'y ait pas un mode photo. Moi, ça me permettrait de faire mes screens pour les vidéos. Ce serait pas mal quand même. Mode HUD. HDD. Performance. C'est le jeu. Graphisme. Ok, auto. Didacticiel. Vas-y, je désactive. Passer les dialogues. Non. Sauvegarde. Analyse. Ça
Ça serait joli. Bah ouais. Peut-être pas ça. Bah du coup, on va faire comme ça. Hein. Regardez. Hop. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park quand elle lit, elle remet le courant. Ah! Alors, on va faire un screen. Hop. C'est bon, ça a pris, là? Ah, mais je suis pas sur Steam. Ah, c'est bon. C'est F11. Non, c'est pas F11, c'est F12. F11, c'est F11. Ok. Simultanément, L3, R3. Ah! Regardez-moi cette dinguerie. Et en vrai, c'est jouable en vrai comme ça, non? C'est jouable de ouf. Je ne comprends pas. Arasaka n'avait pas assez d'hommes comme ça. Regardez, je sais qu'on l'écouterait pendant des heures, mais faut que je te pique ton copain deux secondes. C'est ce que tu fais. Tu viens, oui? Ah, je crois que c'est. C'est moi! Moi, tu viens? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout ici? Tu le sauras bientôt. Ok. Bah, si tu t'y retrouves, j'avoue. J'ai réuni des informations de mon côté. Ok. Tu sais qui souhaitait le plus honorer Arasaka-sama avec ce défilé? Pousse-moi pas, toi. Son assassin. L'ironie de la situation me dégoûte. Mm-hmm. Quel intérêt pour Yorinobu? Il n'a pas du tout l'air du genre à respecter les traditions. Oui, en effet. L'héritage japonais est une chose. Mais c'est également une démonstration de puissance. Les chars seront certes magnifiques, mais l'œil avisé y détectera aussi un message caché pour ses ennemis. Quel genre de message? Je suis là, Gomendomo. Méfiez-vous. Il n'est pas vraiment subtil, hein? Je vois toujours pas ce qu'on va faire de tout ça. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. L'air. Les chars d'Ashi passeront exactement par là. Si j'arrive à monter sur le char de Hanako-sama, je pourrai lui parler en privé. Mais comment? En sautant, bien sûr. Ah, merci pour l'info. Merci pour l'info, Naku. C'est un délire total, Goro. Même si t'avais encore tes super implants, t'aurais aucune chance d'y arriver. J'ai réfléchi à une solution. Pendant que tu t'occupais de tes petites affaires, je me suis renseigné sur les chars. Ils sont tous entreposés au même endroit. Le parc industriel d'Arasaka. C'est là qu'ils les préparent. Ok. Il nous suffit de nous y introduire. De trouver le bon char et d'injecter un virus dans son système. Tu pourras alors neutraliser la sécurité avant que je me glisse dedans. On peut faire ça d'un tas de façons différentes. Il va me falloir... Je sais ce qu'il te faut. Je m'en suis occupé. J'ai un éclat infecté. Il m'a coûté cher. Mais l'homme qui me l'a vendu m'a assuré qu'il marcherait. Ok. Où tu l'as eu, cet éclat? Sur l'autre rive. Kabuki? Il y a des chances qu'il soit pas trop mal. Et dans le cas contraire, j'ai 2-3 trucs en réserve. C'est bon à savoir. Mais donne-moi l'éclat. Viens, marchons un peu. Je le suis, je le suis. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est comme ça? Prendre le contrôle du char, c'est une chose, mais ça ne suffira pas. Vous savez, j'ai un mode photo là, je suis en mode JV. Je m'inquiète. Surtout les snipers. Je serai une cible facile. Mais j'ai peut-être une solution. Okada-san a mentionné les caméras de la ville. Si on y a accès, on saura exactement où se trouvent les snipers. Tu pourras les neutraliser pendant que j'avancerai. Ok, ok. Ok, ça devrait faire. Tu n'as pas d'objection? Les risques sont importants. Oh, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Oh oui, oh oui, oh oui. Et maintenant, que dirais-tu d'un petit test? Il faut essayer l'éclat.
La salle de contrôle des caméras est devant nous. Tu dois y accéder et infecter le réseau, c'est tout. Ouais, et pendant ce temps, tu vas faire quoi? Te boire une petite bière? Je ne bois pas d'alcool pendant le travail. Je te couvrirai. Allez, à toi de jouer. Ok, ok. Ok, je suis rentré. Yep, là. Bonjour. Ah, pardon. Bah. Déjà, nouvel éclat, sexe et chrome. Pourquoi pas. Un DK. Y'a rien d'autre. C'est quoi, ça? Journal intime. Ok. Beaucoup de texte hein, dans le jeu. Beaucoup, beaucoup de texte. Allez. Petite séance de hack. Putain, ça a marché. Easy win. C'est ça la mission? Alors? Le système est à nous. L'éclat fonctionne. Bien. On a fait le plus simple. S'infiltrer dans le parc industriel de Rosaka ne sera pas une mince affaire. Ouais, ça dépend. Mais avant de parler de ça... Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Assieds-toi. Je n'ai rien mangé depuis hier. Donnez-moi votre meilleur plat. Aujourd'hui, je vous recommande vivement les yakitori. Yakitori. Mmh. Que ce n'est pas local. Allez, à demain. Ça me fait mal de dire ça, mais ce fumier de char à Saka pourrait nous être utile. C'est un chien bien dressé. Il demande qu'à obéir. Ouais. Et quand on n'aura plus besoin de lui, très plat, direct. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être. On verra. Je suis content qu'on soit d'accord. Va savoir. Peut-être que ce bâtard se dit la même chose. C'est pas faux. Et qu'est-ce que c'est? Yakitori. Bien. J'ai établi le plan. On s'infiltre dans le parc industriel d'Arasaka. Un et demi, on pirate le char de Hanako-sama. Deux, lors du défilé, je te guide et tu élimines tous les snipers. Okay. Trois, je monte sur le char. Quatre, je révèle la vérité à Hanako-sama. Ok. Par contre, la seule chose qui me... Le seul truc qui me gêne avec son implant, je comprends pas pourquoi il a ce genre d'implant, en fait. Je vois pas ce que ça lui améliore. V, t'oublie le 5. Oda nous bute et pisse sur nos cadavres. Il va sûrement pas lâcher Hanako d'une semelle. Je suis convaincu qu'Oda n'oserait pas s'attaquer à moi. Et à moi? Pour toi, c'est différent. Je te conseille de ne pas t'approcher de lui. Hmm. À mon avis, c'est du suicide. J'ai déjà fait plus stupide que ça. Oh, ça oui. Tu as fait des choses encore plus stupides que voler à Arasaka. Oh, ah, ça non. Faut dire que j'avais fait fort aussi sur ce coup-là. Maintenant, séparons-nous. Il faut faire une reconnaissance. Tu vas avoir besoin d'un guide. Je viens avec toi. C'est vrai. Et avec ta dextérité et ton esprit de voleur... C'est d'accord. Faisons ça ensemble. Est-ce que je peux manger mon équipe? Montez le volume. Ah. Yorinobu. En chair et en os. Il a éliminé le dernier obstacle entre lui et le pouvoir absolu. Et il... Ils lui ont donné ce pouvoir. N'était-ce pas une provocation? N'était-ce pas
Arasaka. Un empire bâti pour durer. Ouais. Que Yorinobu n'y mette le feu de l'intérieur. Tout est de sa faute. Tu m'étonnes. Les factions, les luttes de pouvoir, tout ce... ce... Ah. Alors, ce Yakitori. Il y a quoi comme faction? Tiens, c'est vrai. Faction chez Arasaka. Lesquelles? Il y en a trois. Kiji, Hato et Taka. Les Kiji sont les plus conservateurs. Ils sont unis derrière Hanako-sama. D'accord. La faction libérale, les Hato, soutient Michiko-sama, la petite fille de Saburo. Je la connais très peu. Et enfin, il y a les Taka, les chiens galeux qui soutiennent Yorinobu. D'accord. Sans oublier les factions plus mineures. Garde-en pour la prochaine fois. En fait, il y a des clans partout, alors qu'il y a un seul clan, normalement. Yorinobu, d'où est-ce que ça lui vient, ce côté rebelle? Ça, personne ne le sait. Je lui poserai bientôt la question. En personne. Comment Saburo a pu laisser faire ça? J'arrive pas à piger. Il aurait pu surveiller son fils de près. Arasaka-sama était un homme fort et discipliné. Le plus fort que j'ai jamais connu. Ok. Pourtant, à un moment crucial, il a fait preuve de faiblesse. Envers Yorinobu? Envers sa fille. Quand Yorinobu a formé sa meute et a déclaré la guerre à sa propre famille, Arasaka-sama n'avait qu'un mot à dire pour l'écraser. Mais il ne l'a pas fait. Car il ne voulait pas que sa fille en souffre. Quand Yorinobu est rentré, la queue entre les jambes, c'est elle qui a convaincu son père de lui donner une seconde chance. Tu comprends maintenant? Hanako-sama a sauvé Yorinobu des conséquences de ses actes. Ok, ok. Ouais, tiens. Attends, tu crois qu'elle est complice du meurtre de Saburo? Je pense que nous sommes tous coupables. Personne ne l'a vu venir. Mais ce sera bientôt réparé. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Allons-nous-en d'ici. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. De la sciure et du plastique. Wow. Je suis désolé, hein, moi je déteste laisser une assiette remplie. Ok. C'est parti. Cinématique ou pas? Bien. J'ai trouvé un bon point d'observation. Effectivement, c'est bien N, la caméra mode photo et tout. D'accord. Pause. Ah ouais, je peux lui faire faire des pauses comme ça. Trop marrant. Parfait. Parfait, ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Vue drone, configuration, champ de vision, effet, profondeur de champ, non. Voilà. Comme ça. Eh, c'est sympa, non? Et là, comment je fais ma photo? Comme ça. Ah, attendez. Je crois que c'était ça. J'ai pas tout compris, mais ok. On verra bien, on verra bien. Je déteste. Hein. Il nous suffit de grimper là-haut. Merci encore, Naku. Est-ce que... Oh! Oh là là! Incroyable cette image, non? Regardez-moi ça.
Et je refais une. J'espère que ça marche. Hein. Parce que je fais des photos depuis tout à l'heure, mais j'entends pas de claps ou quoi que ce soit. Allez, c'est par ici. Ouais, bah, y a pas de soucis. J'ai quoi comme arme? Je sais même plus. La chance est avec nous. J'ai un très beau katana. Il n'y a personne aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chat. Hein. Il y a eu le bruit du déclenché. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de bruit quand. En fait, je déclenche moi-même avec le F12. En fait, j'ai une impression d'écran. Mais je verrai bien, je regarderai après le live. J'espère que ça marchera. Vieille conserve. Ce serait une belle vue sur la ville. Si seulement. Quoi? S'il y avait quelque chose à admirer. Tu détestes Night City à ce point? J'ai peut-être juste le mal du pays, comme vous dites. Bien. Regarde si tu trouves des points faibles. Pendant ce temps, je vais réfléchir à une diversion. Il ne faut pas qu'Arasaka découvre ce qu'on prépare. Un sabotage serait parfait pour détourner leur attention. Tu auras le meilleur angle sur la gauche. Je vais me poster là. Cette vieille lunette devrait nous être utile. Et si nous commencions? Ah. Sors. Il faudra faire attention au mecha. Alors ça coudé. Tu pourrais aller nous chercher une pizza? Fast food? Non. Hors de question. Si j'avais le temps et les ingrédients, je préparerai des onigiri avec du cabillaud. Ou du saumon grillé. Mais t'as le temps, hein? T'as le temps. Non. Encore mieux. Avec des umeboshi. L'enka préféré d'Aras. Des umeboshi. Alors ça, je connais pas du tout, hein, pour le coup. Je vais remettre un peu la TH quand même. J'aime bien avoir la TH, je vais être franc. Peut-être pas tout non plus, mais... Bon, si, allez. Sakasama, c'est simple, mais bon et nourrissant. Un jour, je l'ai surpris à manger, le visage plein de fierté. C'était une barre protéinée. Saburo Arasaka, une barre protéinée? Tu te fous de moi? Comme un vrai soldat. Mm-hmm. Bien, j'arrête, avant que nos estomacs se mettent à gronder. Ok, c'est parti. Alors, camion qui passe. Des camions passent sans arrêt. Tu comptes en détourner un? Des tourelles camouflées près de l'entrée. À éviter. Je ne tiens pas à mourir là-bas. Une passerelle, mais avec des gardes. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'entrerons par là qu'en dernier recours. Je peux pas tout analyser, hein. Une antenne. Le cœur de leur sécurité doit être dans ce bâtiment. C'est parfait pour un sabotage. Tu te débrouilles bien. Des tuyaux, tu les vois? On pourrait s'en servir pour entrer. Mm-hmm. On dirait un tunnel de maintenance à côté de la route. Il mène peut-être aux entrepôts. Je crois que j'ai tout vu, là. Est-ce que tu vois les trois antennes? C'est parfait pour un sabotage. Quand leurs communications seront coupées. Daikon Lanza. Alors, on s'y met? C'est ce que tu as dit avant d'entrer dans le Kumpeki Plaza? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer.
S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Il n'y a plus qu'à tuer le temps. Discrètement, en haut d'un bâtiment en construction. V. Quoi ? Pas du geste brusque. Tu le vois ? Le chat. Il est mignon. Mais je croyais qu'ils avaient tous disparu de la ville. C'est le premier animal que je vois à Night aussi. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Un Bakeneko ? C'est quoi ? C'est un chat esprit. Il apporte le malheur. Ah ! Il peut ressusciter les morts. Ah ! Super ! Tu crois aux fantômes ? La relique te permet de parler aux morts, non ? Alors cette question n'a plus de sens. Ouais, mais ces technologies... Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les Kitsune, les Kappa et les Bakeneko. Et t'as grandi où, au fait ? Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour... Quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ah. Ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. Mon enfance, voyons voir. Ma première virée en bobeur au milieu des collines. Ah, et mon premier baiser au milieu d'un champ de maïs synthétique. Je me souviens de l'odeur chimique du canal où je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passaient parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Mm-hmm. Laisse-moi deviner, ils voulaient en faire des soldats corpaux, c'est ça ? Exactement. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À l'armée, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation. Mm-hmm. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges. Même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace. Je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Mmh. Bah, je le juge pas, techniquement, hein. Il est sympa, lui. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde, de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Ça, c'est pas faux, ça. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde, comme si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la sécurité... Et les pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de scope. Ça aussi, c'est le choix des corpos. On ne peut pas. Tu t'es rangé d'un coup. T'as changé de dialogue, là, hein. T'as déjà oublié ce qui s'est passé chez Tom's Diner ? Les gens détestent par-dessus tout les corpos. Et on peut pas leur reprocher. J'ai des regrets, mais sûrement pas d'avoir volé Arasaka. J'aimerais parfois devenir un nomade. Quitter ce monde. Oublier tout ça. Il est jamais trop tard pour changer. Non. Comme vous dites... Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je peux vraiment pas lui faire confiance. Il va me mettre une cartouche, lui. Tu sais ce que je crois ? Non, quoi ? Ce jour-là, au Kanpeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas.
Alors où chercher le conflit ? On se querelle pour rien. C'est pas faux dans un sens. Voilà enfin des paroles sensées. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. Hanako-sama va nous aider dans notre mission. Ou elle veillera à ce qu'on crève pour de bon. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Il va trouver sa propre voie. Comme nous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, sans, je vous dis, c'est un jeu où tu sais pas à qui faire confiance. Il est temps de passer à l'action, non ? Merde, c'est de pire en pire. Tu n'as pas l'air si mal en point. Attendez, attendez. Pourquoi ça marche pas ? Bon, let's go. Ah, de pire en pire. Je sais pas comment, combien on est, nous, là, actuellement. Réputation. Comment il se sent, notre perso, là ? Je sais plus où c'est, qu'on voit comment il se sent. C'est là, pardon. Réputation. Les fixeurs de Nassissi savent à 60% qui je suis. La métamorphose, devenir Johnny Silverland, ça va. Le temps presse deux personnalités dans un seul cerveau. Ça, c'est plus chiant. Mais bon, on va y arriver, hein. Retourne dans la rue. Alors si je me colle comme ça et je fais N. Oh. Alors là, si j'ai pas ma miniature. Attendez, j'arrive pas à me remettre bien. C'est pas mal là. J'essaie de faire un beau plan. J'en des trucs. Pardon, je suis un peu gourmand, ça se trouve, je fais plein de photos qui serviront à rien. Bon. J'espère qu'on n'aura pas de problème, hein. Ok. J'ai pingé un peu tout ce beau monde. Là, j'ai une entrée. Et pas une histoire d'égout, je sais pas quoi. Là, je peux pas l'ouvrir. Il y a un conduit, là. Je pourrais pas passer dedans. Où je réfléchisse. Par où je vais passer ? Au-dessus, assez compliqué aussi, quoi. Ouais, je chope un camion, en fait.
Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Parce que j'avais plusieurs opportunités. Est-ce qu'il y a un autre camion qui va arriver? Yes. Ah d'accord, il m'a renversé, il s'est pas arrêté du tout. Je peux rien faire. Ok, j'ai tenté. Et bah on va faire une entrée fracassante, hein, je pense. C'est con, c'est ce que je viens de faire, c'est de me prendre des barbelés. Attendez, j'ai vu un truc là. Ok. Comment je me mets accroupi? J'ai lancé une grenade sans le faire exprès. Moi et discrétion, ça fait 15 quoi. Ok. Ok, on va y arriver. C'est là que la sauvegarde entre en jeu. Vous êtes prêts? C'est parti. Discret, s'il vous plaît, messieurs, j'ai pas que ça à faire. J'y suis. Bien, essaie de t'introduire dans l'entrepôt. Je vais détourner leur attention. Mais comment tu comptes détourner leur attention? Le truc, c'est que je sais pas sur qui je vais tomber, quoi. Ouf, vache. Tombé bêtement, là. Agent de sécurité qui travaille de nuit dans un entrepôt de banlieue. Là, faudra tout faire. On pourra leur payer. Du monde. Il y a beaucoup de monde. Regardez-moi ce bordel. Comment je fais là? Comment je vais faire pour passer là? C'est un no man's land.
Ça peut être très drôle, ça. C'est pas vrai. J'entrais. Trouve les plus gros chars. Ils sont contrôlés de l'intérieur. Je pense qu'ils utilisent des terminaux ordinaires. Pigé. Comment ça se passe pour toi? Bien. Je vais atteindre la salle de contrôle et semer la confusion. Merde. Très bien. Merde. Je suis prêt. Quand tu auras terminé, je détraquerai les systèmes. On me fait une surchauffe là? J'ai besoin d'un coup de main là! Mon plat dans la tête! J'ai pris tarif là! Contact! Contact? Où ça? Je crois qu'ils m'ont repéré un peu. C'est pas vrai. Allez, on se regroupe. Ah vache. Je vais t'éparpiller en petits bouts. C'est pas très gentil ça. Ça passe. Allez, on fonce. Merci. Bon, je quitte. Il a des motifs de combat. Ok, le char est à nous. On pourra voler avec jusqu'à Tokyo si ça te dit. Oui, pourquoi pas. Bon travail. Très bien. À mon tour. Tu as vu, c'est le chaos total. Même le toit commence à... Je suis touché. Hey, le toit, c'est ta porte de sortie. Il y a des bâtiments connectés tout autour. Certains pourront descendre. Hey, dépêche-toi. Il y a une navire d'Arasaka en approche. Attends. Comment je quitte ça? Merde! Hop! Je fonce! Putain, ça a marché! Excellent travail, V! Ok, et maintenant? Maintenant, on retourne dans l'ombre. Et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Bah voilà. Eh, champion ou pas? Champion. Bon. Je sais pas comment j'en suis sorti, hein. Bon, c'est parfait, hein. La mission infiltration était presque parfaite. Presque parfaite. Allez, fin de VOD pour YouTube. Des bisous et à très vite YouTube.